Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau Back in Time. Back in Time, alors pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je refais une petite rétrospective sur mes premiers albums. Ouais, j'ai déjà fait des albums. J'ai déjà fait des albums entiers avec des thèmes. Ouais, ça, c'était le début. Après, je suis parti sur des pages, mais bref. Voilà, donc aujourd'hui, mon premier, on va dire, album 30-30. On va le dire, parce que avant c'était des petits albums, comme vous avez pu voir hein, sur le Back in Time 2, c'était un petit album en mode lettre, mais là je suis parti sur du 30-30. Et il y a beaucoup d'anecdotes sur ce truc, on va le voir en même temps ensemble. Mais voilà, donc c'est parti pour cette présentation, et en plus ça me fait plaisir parce que c'est notre premier album Disney. Voilà, c'est notre premier album Disney qui date. Voilà, les photos datent de 2 et 3 février 2011. Donc, je crois que c'est les plus tardives, lointaines photos que je peux avoir. Bref. Et donc, voilà, la présentation. Hein, j'avais coupé un Mickey à la main en feutrine. Donc, j'avais fait le noir, le blanc et du noir par-dessus. Hein, donc, ça se voit hein, que c'est fait à la main. Les découpes sont un peu voilà, approximatives. Voilà, j'avais, je sais pas, fait un pochoir sûrement à la main parce que j'avais pas de machine à l'époque. Disneyland, avec voilà, avec de la bombe. Hein. Je travaillais beaucoup à la bombe. Vous allez le remarquer sur cet album que j'ai travaillé énormément à la bombe. Voilà. Et après, ça reste du basique, hein, c'est-à-dire des bandes. Là, c'était une bordure. Voilà, j'avais mis les petites cartes. Voilà, parce que on les a toutes gardées depuis qu'on y va. Je crois que c'est une des premières fois qu'on y a été ensemble en plus. Si je me rappelle bien, c'est une des premières fois, toute première fois. Donc 2011, nous sommes en 2019 et on continue d'y aller quasiment. On essaie d'y aller au moins une fois par an. Voilà, parce que bah on est fans depuis, voilà, depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, c'était le prémisse. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour l'ouverture de cet album. Là, il y a des anecdotes, c'est que en fait, déjà, à l'époque, j'utilisais beaucoup, beaucoup les plans. Les plans, que ça soit sur cet album, sur les prochains albums, vous allez voir aussi. Et beaucoup de trucs utilisés au niveau de... voilà, que j'avais récupéré, sur des prospectus, des trucs comme ça. Et c'est vrai que voilà. Et en plus, c'est un lexique. C'est... ouais, parce que en fait, je me remémore en même temps. Donc... j'avais mis donc page 1, c'était là. Donc c'était à Main Street. Page 3 et 4, c'est Discoveryland. Page 5, c'est Fantasyland. Bref, en gros, voilà, on va les voir au fur et à mesure. Donc j'avais mis chaque ficelle va à la page. Après, le fond, ça reste de la bombe de peinture. Pourquoi la bombe de peinture? Je vous explique sur le prochain. Voilà. Ah si, j'ai des pages, donc en gros, le pourquoi la bombe de peinture sera un peu plus tard. Voilà, donc on arrive Santa Fe, donc on était parti au Santa Fe, le bus, l'hôtel. Alors, mes premières pages sont très 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 chargées, avec pas une, pas deux, mais au moins 5-6 photos, 2, 4, 6, 8, 8 photos sur la même page. Sur celle d'après, il y en a 5 aussi. Mais en fait, au début, je chargeais. Voilà. Donc, première journée, donc voilà, avec plusieurs lettres différentes. J'avais pris en photo l'hôtel, le bus. En plus, j'ai marqué hein, hôtel, bus, welcome, la tête au milieu. Il faisait frais, hein, j'avais un bonnet. Bene, péruvien. L'année de la nouvelle génération, il y avait Woody, Buzz. Alors, ce qui est bien, c'est que Woody et Buzz sont à la mode en ce moment parce que Toy Story 4 qui est sorti. Voilà, donc il y a un petit engouement sur Toy Story, mais en février 2011, il y avait déjà un petit engouement. À mon avis, il devait y avoir un Toy Story 2 ou 3, bref. Voilà. Donc, rien de pour cette mise en page, rien de folichon. Hein. J'ai collé des photos, j'ai collé des trucs par-dessus. Celle-ci, c'est pareil. Là, c'est des ronds. J'ai voulu faire des ronds peut-être par rapport à la page du milieu. Est-ce que je ne mettrais pas un truc pour le...
pour le flou, la transparence, le bref, le reflet, voilà, chercher. Donc là, féerique avec plein de petits ronds. Ouais, franchement, rien de fou, hein. C'est mes premières pages. Mes premières pages, 30-30, on se cherchait. Non, mais à vrai dire, ouais, je sais pas. Mais déjà, pour moi, il y a trop de photos. Il y a trop de photos. Bon, celle-ci, un peu plus déjà travaillée en mode Utopia, voilà. Hein. Donc, on est parti à Utopia. J'ai mis un fond de bombe derrière sur du papier blanc. Et justement, donc, je vous disais que beaucoup de ces pages ici sont travaillées à la bombe pour la simple et bonne raison. C'est que, en fait, Corinne, qui scrapait avant, ne voulait absolument pas que j'utilise son matos. Parce qu'on avait notre matos chacun, sauf que moi j'en avais pas, c'était mes premières pages donc j'en avais pas, et en gros j'utilisais beaucoup de bombes, j'en utilise toujours, mais là c'est des fonds réellement bombes, il n'y a que ça, j'avais pris une page blanche, que ça soit sur celle-ci aussi, c'est page blanche avec fond. Voilà, donc j'avais marqué futuriste, voilà, donc ah, j'avais peut-être pris un sketch pour celle-ci, je sais pas, avec le fond comme ça, hop. Hop. Je ne pense pas au futur, il vient bien assez tôt. Albert Einstein, j'avais mis un petit truc, peut-être une citation qu'il y a là-bas, je ne sais pas. Voilà, donc la bande là qui sert à pas grand-chose. Quoi dire de plus sur cette page? Voilà, elle est bien, mais voilà, maintenant je ne ferai plus les petites, les photos ronds. Non, ça je ne ferai plus. Ça, voilà. Le concept. Donc là, hop, Buzz l'éclair, Ranger de l'espace. Alors mon fils Adam était ultra fan quand il est arrivé, il était aimé. Pff, Toy Story, il était ultra fan. Donc voilà, donc là j'ai pris des photos, j'ai fait des découpes. Ça devait être un, je sais pas, peut-être un sac ou un truc comme ça, que j'avais découpé. Voilà, après le fond de page, comme je vous ai dit, j'ai fait à la bombe, je me suis amusé à marquer vers l'infini et au-delà, hein, c'est la phrase de Buzz l'éclair. Et en plus, je me suis amusé à mettre des ronds, et après à faire les lettres mixtes entre les ronds et pas les ronds. Oh là là, je m'étais pris la tête. En noir et en blanc, je m'étais vraiment pris la tête. Hein, sur cette, là, c'est un truc de jean qui était blanc, bah, qui était franchement pour ça. Qui était vert, violet et noir, donc ça allait très bien. Là, il y a Zerg que j'ai mis en 3D. Alors, je sais pas si. Voilà. Hop. Donc, en fait, c'est en 3D. Ouais, vous allez peut-être pas voir. Hop. En gros, j'ai découpé la photo et en dessous, j'ai mis une sorte de mousse 3D. Alors, à l'époque, c'était pas, je ne mettais pas de mousse 3D. Je mettais plus du carton plié que de la mousse 3D. Voilà. Mais c'est marrant de revoir ces. Toute première page, hein, bah, toute première page, non, les premières pages c'était l'album de mariage, mais ces premières pages, on va dire Disney. Hop, donc voilà, hein, vous aviez Buzz l'éclair ici, hop, on va se remettre en focus peut-être. Et là, vous avez Woody. Donc, ouais, en fait, je prenais en photo vraiment tout et n'importe quoi, je développais tout et n'importe quoi, hein. Là j'avais mis une étoile, j'avais fait une étoile avec marqué shérif en paillettes. Oh là 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 là. Les photos en rond, hein, ça c'était mon truc. La Mickey danse, parce qu'en fait je me rappelle, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est qu'en gros, pareil, donc il y avait Toy Story à la maison et la maison de Mickey, sauf que la maison de Mickey il y avait une danse et Dingo lui dansait comme ça. Né, pour ceux et celles qui se rappellent, voilà. Et donc, en gros, quand je suis arrivé devant Dingo, je fais, ouais, je fais Dingo, tu fais la Mickey danse. Mais en fait, il commence à faire ça. Je fais, non, je fais la danse de Dingo, c'est comme ça. Voilà. Et donc, en gros, il s'était mis à danser comme moi. Voilà. Donc, avec. Ah, il y avait petit Mathéo là, regardez. Il y a petit Mathéo. Oh là là. Il était tout petit. Donc, voilà. Donc, Western, là, ça devait être. Donc, page. Voilà, c'est page 6. Et page 7, donc page 6 c'est ça, page 7 c'est ça, donc là je m'étais amusé à faire une carte au trésor, donc celle-ci est faite main, je l'avais fait bomber, j'avais déchiré les côtés, voilà, après j'avais utilisé beaucoup de pochoirs comme ça, pochoirs des tampons comme ça,
Voilà, écrit pirate. Là, j'avais vieilli toutes les photos. Je sais pas comment, je me rappelle plus. Peut-être à l'eau de Javel ou au four. Je sais que pendant un moment, j'utilisais le four pour pouvoir faire des petits styles sur les photos. Ouais, parce que ça les brunit, ça les vieillit. Voilà. Ah, je m'étais même amusé à faire le coup de déchirer là à ce niveau-là ou le brûler même et mettre la photo du crâne de. Voilà. Il y a même une toute petite photo là. Bon, après, hein, ça reste du montage, on va dire, à l'arrache. À l'arrache. Y a de l'idée, mais la structure de la page. Ouais, je parle comme un professionnel. La structure de la page n'est pas là. Comme celle-ci. Celle-ci, là, il y a deux thèmes sur la même page. Il y a un thème chevalier, un thème. Bon, si, tu vas me dire, c'est la même chose. Oye, oye, un thème un peu chevaleresque. Voilà, mais la tête de. Il s'appelle comment? Le chat de Chelsir, bref, de Alice. Voilà, il n'a rien à faire là-dedans. Il n'a rien à faire là-dedans. Là, je m'étais amusé à faire un petit style bouclier. Par contre, je me suis pris la tête parce que si vous regardez bien, j'avais fait le bouclier, plus après tous les petits diamants. J'avais tout découpé à la perforatrice pour tout coller. Avec écrit Sir Matteo, là, Damiel et Sir Romain. Voilà, je m'étais amusé. Il y a 4 photos, 5 photos sur le même truc. Là, il y a 5 photos, c'est abusé. Et là, il y en a 2, donc j'avais mis 2. Ouais. On passe, on passe. Hein, franchement, après la page de fond, elle passe. Voilà. Alors, voilà, je réutiliserai la page de fond, mais tout le reste, je ne le referai pas. Après, ça. Bon, après, il y a plus d'années de métier, on va dire. Donc, ça serait différent, ça serait totalement différent. Peut-être que, voilà. Je sens qu'il y en a certaines qui vont me donner le défi. Ouais, refais celle-ci. Non. Celle-ci, carrément. On est d'accord. Ça, c'est totalement mon style. À quelques petits trucs près. Pochoir que j'avais fabriqué. Voilà, hein, et je fabriquais déjà en étant en 2012. Je fabriquais déjà des pochoirs, ou dans 2011, 2011, 2012. Je fabriquais déjà des pochoirs. Je ne les vendais pas, voilà. Mais je fabriquais des pochoirs pour moi-même. Voilà, donc là, une carte postale, hein, Disneyland 2011, que j'ai découpée tout mochement. Voilà, a tenu par des agrafes, pas agrafes, attaches parisiennes. Ça, ce fond-là, là. Rond cousu à la main, faut se prendre la tête, hein. Faut se prendre la tête. J'aime bien. Par contre, tous les tamponnages à l'intérieur, c'est inutile. Romain, cette bande de ruban qui traverse la photo, comment dire que. Alors attendez, elle passe en dessous du rond gris, elle passe au-dessus de la photo, elle repasse en dessous. Donc le mec, il se prend la tête pour. Des trucs pas top. Bah, voilà, de maintenant, je trouve ça pas top. Mais c'est vrai que avant, ouais, j'avais dû trouver ça beau. Voilà, petite tête de Mickey, donc de la bombe, hein, voilà. Le By Night, encore plus beau qu'une carte postale. Bah, parce que c'est une carte postale. Donc carte postale, plus beau qu'une carte postale, voilà. Donc en tout cas, ouais, elle reste basique, mais j'aime bien celle-ci. Hop, parade magique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7 photos sur la même page, non, c'est pas possible, Robin. Voilà, c'est pas possible. Alors, en plus, les découpes photos, c'était vraiment du européen, hein, pour ceux et celles qui se rappellent les styles, voilà, avant, il y avait beaucoup de styles européens, voilà, mixed media, américain, clustering. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, clear and simple, clean and simple, voilà. Mais là, c'était de l'européen toga, voilà, où tu découpes tes photos avec une forme et après, voilà, tu fais des trucs comme ça. Là, je m'étais amusé à faire des rosaces à la main et c'est surtout que j'en avais fait d'autres rosaces en dessous pour faire des pchits, voilà. Pour faire des masques.
Ah, mon style, il est là depuis le début en fait, mon style de bombe masque pochoir. Hein, on est d'accord. Donc on passe à celle-ci, deuxième journée. La deuxième journée, alors là c'est une photo aussi, hein, que j'ai pris une photo du sol et que j'ai découpé. Tu développes vraiment n'importe quoi, Romain. Hein. Donc les paysages, ça reste encore là pareil, là que j'ai découpé, deuxième journée, avec plusieurs lettres différentes. J'aimais beaucoup faire ça sur quasiment tous mes premiers albums. J'ai aimé écrire des titres avec des lettres différentes. Voilà, il y en a des écrites, il y en a des pas écrites, il y en a des faites en masque, voilà, des collets durs, des stickers, voilà quoi. Bref, donc le deuxième parc avec Corinne, Walt Disney. Les premiers, voilà, les premières fois où on va, on photographie tout, n'importe quoi. Maintenant, tu y vas, tu photographies les nouveautés, les trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'avant, bah, tu photographies tout. Hein? Bah, non, c'est Disney, tu photographies toujours tout. Là, on prend la pose en souris, donc ça, j'avais imprimé ça. Voilà, donc on était parti dans le premier local Walt Disney, là, si je sais plus c'est quoi. C'est le hall 1, je crois, en plus. C'est un truc de style vidéo, voilà, de producteur, voilà. Bref, là, on avait fait une photo devant la voiture rouge, hein, qui est là depuis, voilà, depuis des années, des années. Et à l'extérieur, il y avait un petit. C'était à l'époque, il devait y avoir Cars. Et donc, en gros, voilà, ils avaient mis un petit fond, un fond pour pouvoir faire des photos, voilà. Donc, plutôt basique. Cette page, et pareil, j'ai voulu faire deux trucs encore différents sur une seule et même page. J'ai fait des découpes un peu bizarres, franchement. Quoi dire, franchement, ça me. Déjà, ça me donne des souvenirs, mais c'est surtout que quand. Alors, voilà, je me dis que. Ouais, non. Non, Romain, non, non. Celle-ci, alors au début je vous disais que j'utilisais beaucoup les trucs, les prospectus, les cartes et tout ça. Là c'est un fond de plateau au niveau du restaurant. On est parti manger au restaurant. Par contre, mauvaise anecdote parce que déjà un ça coûte une blinde. Ouais, on part sur l'extrême. Ça coûte une blinde, ils te font payer tous les enfants. Alors vous pouvez voir que Adam est bébé. Adam est totalement bébé, il a quoi? Il a peut-être en 2011, il avait 2 ans, même pas. Ouais, s'il avait 2 ans en février, il avait 2 ans. On a dû payer donc pour un enfant, c'est 17 euros. Donc 17 euros pour un enfant, et il a mangé un bout de pain. Mato a mangé une part de pizza, et Yael, elle a dû manger un bout de carotte. Donc imaginez-vous, donc 17, 17, 17 euros pour manger un truc de chaque. Ça nous avait fait vraiment mal au cœur, hein, ce jour-là. Après, en soi, c'est marrant parce que, bah voilà, comme vous pouvez voir, la personne vient avec c'est Rémi? Ouais, Rémi? J'ai un doute. Ouais, si, c'est Rémi. Et en fait, bon, je vais pas gâcher le truc, mais en gros, Rémi bouge. Donc, selon ce que tu dis, en fait, il se tourne vers toi. Je vais pas gâcher le truc parce que nous, on l'a grillé, mais voilà quoi. Double page, welcome to Playland. Donc voilà, donc thème hein, Toy Story. Ils ont fait un petit parc. À l'époque, il n'y avait pas en plus le parc, il n'y avait pas le côté Ratatouille. Donc là, il n'y avait que Playland, donc avec Buzz l'éclair, Ranger de l'espace. Voilà, j'avais fait le fond. Ouais, vous pouvez remarquer le fond. Le fond, c'est le même fond qu'il y a dans le dessin animé. Sauf que là, je l'avais fait moi-même. Donc j'avais découpé un pochoir avec les trucs, avec la forme des nuages, et j'avais fait le fond comme la chambre de Andy dans le premier Toy Story. Après je m'étais amusé à faire des banderoles Welcome to Playland. Voilà, le Rex avec le Rex qui mange la tête, cette fameuse photo que j'adore. Après le pire c'est qu'avant je le voyais pas faire, et maintenant que je l'ai fait, je vois beaucoup de gens le faire. Faire genre en mode tapeur de Rex et tout ça. Bon, après, à mon avis, ça s'est fait toujours fait, mais voilà.
Et donc, on avait fait les parachutes. Et c'est la seule et unique fois qu'on a fait les parachutes parce que Corinne, elle a eu une peur monstre. Moi, j'avais peur du vide. Et Adam, en fait, vous pouvez peut-être remarquer, en fait, Adam, il est juste là. Et au niveau de la sécurité, il avait juste 2 ans. On trouvait ça limite, limite, limite. Et Yaël était à côté de moi, je l'ai tenu tout le long. Tout le long, alors je me suis amusé à faire quoi? À faire des trucs genre confidentiels, mission spéciale, saut en parachute en mode déchiré, plan C comme Charlie. Parce qu'en fait, il le dit dans Toy Story. Voilà, bon, allez, on passe. Ouais, c'est des albums qui passent vite. C'est des albums, c'est mes premiers albums. Bon, non, ils passent pas très vite, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, mais voilà. Voilà, Cars, donc c'était, je vous dis, à mon avis, Cars devait pas hésiter depuis très très longtemps. Et je me suis amusé à faire un fond noir avec une route, voilà, avec une route qui part de cette page-là à l'autre, hein, tout est millimétré. Voilà, j'ai fait ça à la bombe. Et ensuite, bon, bah voilà, Mathéo qui partait. Qui fait les photos devant les voitures. Donc là, il y avait Flash McQueen. Lui, je ne me rappelle plus. Je me suis amusé à faire un petit Arizona action. Ouais, voilà. Là, je me suis amusé à faire du 3D. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, juste découper, mettre un bout de carton pour que ça soit un peu plus épais. Voilà. Donc après, c'est des photos du parc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Voilà, je mettais beaucoup trop de photos, beaucoup, beaucoup trop de photos sur ces pages. Voilà. Bon, la petite fond Aladdin que j'ai aimé faire, on va dire aimé faire, parce que la petite pierre, bon, maintenant je ne referai pas ça. Hein, donc là, je me suis amusé à faire un fond. Un style porte arabe, voilà. Ce rêve bleu, la petite lampe qui part avec des petites étoiles. Rien de fou. Rien, 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 rien de fou. Non, bah, quoi dire? Là, je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas dire, waouh, ma page, elle est trop belle. Non, autant il y en a qui. Celle-ci, je la kiffe. Voilà, mais celle-ci non. Voilà, là ça part sur du Narnia, je crois. Il y avait ce trône qui était à côté d'Armageddon et qui n'existe plus. Paix à son âme, Armageddon. Voilà. Mais je sais pas. J'ai voulu faire un truc. Ce qui est bien, c'est que maintenant ça passerait tout seul en Game of Thrones. Hein, même si je connais pas, j'ai pas vu, mais voilà des stalactites, des stalagmites, voilà, reine et roi, donc il y a Corinne et moi dessus, et leurs enfants, donc il y avait Mathéo, Yael et Adam, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, bah beaucoup, déjà, voilà, hein, voilà, bref, bah il manque rien. Il manque Aya, bah, on a eu un autre enfant en plus, voilà. Mais après, le fond reste du fond à la bombe de peinture, de la déchirure, franchement, franchement, non, c'est pas possible. Quand tu peux pas faire des vidéos comme ça, tu peux pas faire des photos, des pages comme ça. Là, donc, on reprend la pause donc avec Mickey, avec Monsieur Mouche, et aussi avec Minnie. Donc voilà, donc là, on était parti avec des amis. Double page encore, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, en fait, vu que je ne pouvais pas utiliser trop de matos à Corinne, bah j'utilisais une page. Je pense que voilà. Donc je mettais tout sur une seule page. Où je m'étais dit que, en gros, vu que c'est des albums où il y a quoi une dizaine de pages, je m'étais dit qu'à l'époque que je ne pouvais pas en mettre plus. Ça doit être pour ça, en gros. Voilà. Après, là, j'ai fait une tête de Mickey. Là, j'ai fait un nœud de Minnie. Joli sourire, photo. Waouh! Waouh! Ouais. Once upon a dream. Magic everywhere.
Bref, Once Upon a Dream. Donc, c'était une des parades en 2011. Voilà, parade Disney. Je me suis encore amusé à faire les lettres. Voilà, comme je vous disais, c'est chiant le reflet en fait. Ça se trouve, on le voit tout le long de. Désolé si on l'a vu tout le long en fait. J'essaie de faire en sorte qu'on ne voie pas, mais. Bref. Donc, comme je disais, toutes les lettres, une lettre par différente à chaque fois. Once Upon a Dream. Là, ça vient des. Comment dire? Des shampoings ou des petits savons. Hein, comme quoi, tout se récupère, tout se réutilise. J'ai fait un soleil derrière, pourquoi? Par rapport à ça. S'il y avait un petit soleil, Once Upon a Dream, voilà, avec une lune. Des paillettes. Non, c'est plus mon style. Alors là, vous avez le droit à la totale. La totale, il y a 20 000 photos sur la truc. 1, 2, 3, 4. Ah non, ça c'est pas, c'est un sticker. Alors ouais, vous avez la totale. Ça, vous les avez déjà vus sur les autres. Alors on a dû acheter quelque chose dans le magasin et le sac, ça devait être ça. Donc là, c'est un truc spécial Toy Story. Dans la parade, voilà, je me suis amusé encore. Toy Story, Monsieur l'affreux, Docteur Côte de Porc. Ah ouais, oh là là. Donc là, vous avez. En fait, cette page, il y a plus de trucs hors Disney que de Disney. Donc, vous avez une, deux, trois, quatre photos. Et après tout le reste, à 5 photos, et après tout le reste, c'est du hors photo. Ça c'est un truc en gros, ça pourrait passer comme une page du Journal Art maintenant. Avec un peu moins de trucs, mais voilà. Donc vous avez voilà, le cochon, Jessie, pile poil. Donc s'il y a Jessie, c'est automatiquement, c'était pas le 1, ça devait être le 2. Voire le 3, mais moi je dirais que le 2 a dû sortir dans ces périodes-là. Woody, donc voilà, pile poil, bon, bref. Parade encore, Winnie l'ourson, là je me suis amusé à faire trois photos et à faire comme si c'était une bande de cinéma. Voilà, je me suis amusé à faire le petit t-shirt de Winnie l'ourson, la queue de tigrou, le pot de miel. Donc là j'avais tout refait en découpe. Et après, bah, trois photos au-dessus, hein. Or celle-ci, je me suis amusé à découper. Je m'amusais beaucoup à faire ça, à découper les photos. Voilà, on prenait un arbre, admettons, tu découpes ton arbre, quoi. Voilà, comme là. Un petit peu, ouais. Non, voilà, je suis saoulé. Hein. Vous pouvez ressentir la saoulance des premières pages. Il y a beaucoup trop d'informations. Après, en soi, il est stylé, mais il y a beaucoup trop d'informations. Alors là. Là, vous avez. On voit rien. Hein? Franchement, quand tu regardes cette page-là, tu vois rien. Autant maintenant, tu vois ce qu'il y a sur une page de scrap. Là, tu vois rien. Déjà, le fond est beaucoup trop chargé. Il y a des fleurs. Là, tu remets du papier par-dessus. Tu remets des fleurs. T'as une, deux, trois, quatre, cinq. En soi, ça passe. Mais c'est que du rond sur un truc déjà trop chargé. Des découpes sur les côtés qui n'ont rien à voir. Voilà. Tu remets plein de trucs. Ouais, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même sur cette page. Non, bouh. La tête de Mickey. Donc là, vous avez Princesse et la Grenouille, la Belle au bois dormant. Alors que là, il y a Princesse et la Grenouille, il y a Blanche-Neige, il y a Cendrillon là. La Belle et la Bête. Ah bah, Blanche-Neige, Mary Poppins et Peter Pan. Ouais, non, franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations sur cette truc. Vous avez pu ressentir la. Voilà, la déception de revoir cette. Non, pas, non, non, je rigole, c'est pas une déception. Mais c'est vrai que ce premier album, ça j'avais dû le faire à la fin. La couverture, je l'ai faite à la fin, ça se voit, elle est plutôt simple. Mais là, j'ai beaucoup trop chargé les pages. J'ai beaucoup trop chargé les pages. Ah, le côté 3D, je l'ai remis là aussi. Ça se voit, j'ai découpé là. Hop. Ah ouais, ça j'avais même pas remarqué tout à l'heure. J'avais fait les trucs style caporal. Alors je me trompe sûrement. Caporal adjudant avec les petites insignes qu'on a là. Avec une étoile et les trucs. Et les. Ouais.
Je m'étais amusé aussi à faire une. Oh, allez, on lâche. Bon, il est temps de finir sur cet album. Franchement, quoi dire sur cet album? Vous avez pu voir que plus je regardais les pages, plus j'étais pressé de le finir. Voilà, mon style actuel a totalement changé, pas comparé à celui-ci. Avant, je surchargeais. Après, il y a des trucs qui sont bien, c'est-à-dire que je ne fais plus maintenant, c'est mettre des dates, des lieux, des titres. Je ne mets plus beaucoup de titres. Et de réutiliser, genre par exemple, ce plan, je ne le ferai plus à l'heure d'aujourd'hui, mais et encore, je crois que... Bah, maintenant. Je crois que le prochain album Mickey, j'ai dû le faire. Mais voilà, en tout cas, petit... pas déception, mais... Mais Romain, tu mets beaucoup trop de choses. Tu mettais beaucoup trop de choses sur tes pages. Trop d'informations. Voilà, je me parle à moi-même. Ouais, si un jour on renvoie les vidéos YouTube dans le passé, bah Romain, regarde cette vidéo, ça fera une paradoxe temporel, tout ça. Mais tu referas pas les mêmes erreurs. Voilà. Je parle de moi-même à moi-même. Hein. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette Back in Time 3. Voilà, ouais, je viens de me faire ma petite miniature. Voilà, ce petit Back in Time 3, donc avec mon premier album Mickey, mon premier album 30-30. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, et je vous remercie pour tous les pouces bleus que vous nous laissez, que vous me laissez, que ce soit ici, parce que je sais que beaucoup font les deux, ici ou l'autre chaîne, les abonnements, les commentaires, voilà, bref, je fais une généralité. Mais merci pour cette chaîne-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.